Mais, Monsieur Tajedine Bachir, vous parlez justement de ces données à caractère personnel, mais concrètement, qu'est-ce que c'est, pour donner une définition claire ? Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? C'est ça ? C'est ça. Très bien. Une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui permet d'identifier une personne, un individu, directement, par exemple son nom et prénom, indirectement, vous avez un numéro de sécurité sociale avec lequel je peux remonter vers la personne, ou bien par un ensemble d'informations, par exemple un nom sans le prénom, une adresse, son métier, je peux identifier une personne. Donc ça, c'est des données à caractère personnel, et vous l'aurez deviné, tous les organismes qui recrutent, qui ont des employés, sont en train de traiter des données à caractère personnel. Donc pour vous dire que la loi s'applique sur les administrations, sur les entreprises économiques, sur les ministères, toutes les entités, les organismes qui manipulent des données à caractère personnel, qui ont des employés, ils sont concernés par la loi. Et cette loi, elle vient nous donner un cadre pour protéger justement, elle vient nous donner un cadre pour protéger ces données à caractère personnel de ces personnes-là.